Eh bien, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Frontenay, Genève, théâtre de ce match au sommet entre le premier et le deuxième. Le premier, c'est UGS qui totalise 23 points. Le second, Colebossi, 20 points. Une rencontre, bien évidemment, qui s'annonce passionnante avec ce ballon mis flanc gauche directement. On tente d'apporter de la percussion là, avec Ayeté. Et ce ballon qui est finalement dégagé par la défense, mais un cuir qui sera pour les joueurs locaux. On est ravis de pouvoir vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre. Une entrée en matière très prudente des deux équipes depuis le début de ce match avec ce coup franc, ce ballon dans l'axe. La frappe finalement de la tête qui passe à côté du cadre. Une frappe signée Linares. Belle possibilité là pour les Chevaliers. Martinez qui tente d'intercepter ce ballon. Il met de la pression sur la défense. Un ballon qui est tout de même dégagé avec Ayeté. Ayeté qui peut prolonger. C'est bien joué là de la part des Rouges. Avec un centre, ouais, bien essayé, avec une bonne prise de balle du portier Revillou sur ce centre tendu de Rafael de Oliveira. Belle anticipation du dernier rempart du GS. Bien évidemment, la montée des grands gabarits comme Bijard là, qui fait l'effort. Deuxième poteau maintenant, c'est un ballon pour lui avec une frappe de la tête. Et finalement, ce ballon qui passe à côté du cadre. Ouais, montée également de l'autre arrière central, hein, Vitor Pereira dos Santos, qui a pu mettre son coup de tête dans cette 9e minute de jeu sans toutefois parvenir à inquiéter le portier Revilleur. Meilleure attaque du championnat également avec 27 réussites depuis le début de l'ouvrage. Ouais, la frappe finalement et ce ballon contrôlé par Mehdi Derouazi qui peut relancer rapidement au pied. C'était une belle opportunité. Là, la première encore une fois sur une balle arrêtée, ce coup franc qui sera finalement à rejouant. C'est un peu précipité. Et Mehdi Derouazi qui a laissé rouler le ballon eh bien devra le poser puisqu'il y a eu une intervention fautive. Ça va permettre aux joueurs colésiens de repartir. On joue la 15e minute de jeu dans cette première période, toujours 0-0. Un match qui a démarré gentiment, pas de grosse occasion à se mettre sous la pupille avec un joli 1-2. C'est bien joué là, la part de l'ONU avec ce service et cette intervention fautive. Ça sera un coup franc là pour les hommes de Pierre-Yves Liniger. Encore une fois, le danger tout à l'heure était arrivé sur balle arrêtée avec un corner. Ce coup franc en faveur des locaux avec la sortie de ce ballon par Mehdi Darwazi. Et la très belle intervention du dernier rempart en deux temps qui peut relancer sur Ayeté. Le contrôle du ballon par Ayeté qui va revenir sur ses pas. Renversement du jeu. Un ballon qui ne va pas passer. Belle intervention là des joueurs de GS. On est bien en place pour le moment. Défensivement, si on a peu d'occasions à se mettre sous la pupille, c'est aussi que le travail des milieux de terrain, des défenseurs est solide dans ces 17 premières minutes de jeu. Ce corner et la montée notamment, ils sont nombreux à être montés, mais de Pereira dos Santos, un ballon dégagé par la défense. L'effort pour tenter de récupérer ce ballon de Dia, un cuir qui sera finalement dégagé par les violets. On remet dans la mêlée avec l'interception, le décalage de Vanzo avec un long ballon sur Dia. C'est bien joué, il n'y a pas de hors-jeu. Dia qui va rentrer dans les 7 mètres, il est tout seul, Dia, et ça bute. Oh, superbe, superbe ouverture pour Dia qui ouvre la marque pour les joueurs locaux. Le 28e but de la saison pour UGS qui prend l'avantage dans ce match sur sa première grosse occasion. Là, l'équipe du GS qui peut ouvrir le score. Les hommes du duo Hervé Musquer et Nicolas Jacquet qui prennent l'avantage dans ce match. Alors beaucoup de lucidité de la part de Dia pour cette ouverture de la marque. Il bat imparablement le portier Mehdi. Montée notamment de Carnazzi là, qui va plonger au deuxième poteau avec cette reprise de la tête. Finalement un ballon qui va passer largement à côté du but. Le buteur en possession de ce ballon, il va relancer, mettre devant, anticipation colésienne. C'est bien joué avec ce ballon récupéré finalement par Mssabeg. Le tir de ce dernier bien capté, facilement capté par Stéphane Revillou. Dégagement, 28e minute de jeu engagé dans cette partie. Situation intéressante là pour les visiteurs avec Mssabeg qui s'élance. Ballon mis au deuxième poteau. Le sauvetage, le réflexe du portier finalement. Magnifique intervention de Revillou qui vient de sauver la baraque là sur cette très belle intervention. 32e minute et les joueurs de Colebossi proches de l'ouverture de la marque avec un corner. C'est Beuchat qui va se charger de ce coup de coin. Linares également présent, auteur de cette très belle action là sur la possibilité précédente pour les Colésiens. Avec une frappe de la tête finalement là, et la montée de Dijou qui n'est pas montée pour rien, qui voit son envoi passer par-dessus le but du portier Revillou. Très belle opportunité encore une fois pour les Colésiens. Mais dominé n'est pas gagné pour le moment. Ce sont bien les joueurs du GS
au bénéfice de ce petit but d'avance grâce à cette très belle réussite marquée par Sion, à cette possibilité pour Beucha. Finalement, ce n'est pas lui qui va s'élancer, c'est Msabeg. Un ballon qui passe à côté du cadre. Pas de danger là pour le portier. C'était une bonne possibilité encore une fois pour Kolebossi qui s'est procuré quelques très belles occasions de marquer, mais qui a bien évidemment manqué de réalisme quand ce n'est pas le portier, on l'a dit, Reviou, qui sort des arrêts venus de nulle part. Ça va repartir depuis l'arrière avec Bijar au contrôle de ce ballon. Il lève la tête et il va chercher encore une fois, comme tout à l'heure, la longue transversale. C'est bien joué, la prise de la tête. Ça passe à côté du cadre. Bien vu de la part de Linares qui a tenté la frappe de la tête. Et ça ne fera pas. Mouche, c'était bien joué quand même. Il avait vu le portier avancer. Sans doute une des dernières relances de cette première mi-temps. Bijar qui va décaler ce ballon, permettre à son équipe de repartir et peut-être se procurer une dernière occasion. Ce ballon mis en avant avec l'intervention du portier Reviou qui peut boxer du poing. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 1-0 en faveur du GS. Il y aurait eu match nul partout. Je pense que personne n'aurait rien dit. Il y a eu quelques belles occasions, dont la parade sur la tête de Linares de Reviou. Résultat des courses, c'est 1-0 pour l'équipe du GS face à Kolebossi. Alors, à notre avis, ça aurait été un match nul logique. Maintenant, UGS gagne. Est-ce que c'est également l'avis du speaker Courte? Eh bien, c'est tout de suite ce qu'on va entendre. Il s'est exprimé au micro de mon papa Michel. Premier mi-temps très disputé, donc comme on y entendait. Et le match est très correct pour le moment, avec les chances de but d'un côté et de l'autre. On savait que ça va être un match disputé, puis on verra la suite. Un petit pronostic là pour cette deuxième mi-temps, ou bien si vous n'êtes pas un bon pronostiqueur? Un bon speaker, c'est toujours assez difficile de donner un pronostic. Oui, évidemment, j'aimerais que ce UGS va gagner, mais on verra la suite. Oui, merci à Courte de s'être prêté au jeu de l'interview. Il ne s'est pas vraiment engagé sur un résultat. Il est vrai que ça reste un match extrêmement incertain, comme on l'a dit en première mi-temps, avec ce ballon sur Dia qui va être intercepté par les Chevaliers qui peuvent dégager. Une partie disputée dans laquelle Courte aimerait une victoire, bien évidemment, de son équipe UGS, le speaker des lieux. Et ce ballon mis dans l'axe du terrain, l'intervention, pas de faute, on a laissé jouer Lonneux à l'interception. Peut-être une possibilité de contre, là ça repart en tous les cas rapidement avec Msabeg qui va venir devant lui, l'ouverture avec la montée d'Ayeté qui va intercepter ce ballon, devancer les défenseurs, le centre, un ballon renvoyé par la défense, le décalage, c'est bien joué sur Lonneux, Lonneux tout seul, le tir, le sauvetage, encore une fois de Reviou, il sort tout le portier du GS, encore une fois qui vient de sauver son équipe de l'égalisation. C'est la deuxième énorme occasion là pour Kolebossi dans ce match. Et il est seigneurial, le dernier rempart des locaux. Boucha, bien sûr, qui va peut-être tenter de fixer Bijar avec ce ballon dégagé. Alors par la défense, ouais, c'est sorti, mais ça aurait pu être un autre goal aussi. Ça aurait été la même chose, on discute en défense. Après cette intervention de Vanzo, Damien Vanzo, et nouveau coup de coin joué en deux temps, Lonneux non, finalement il sera joué directement par le capitaine de Kolebossi. Cinquième minute engagée maintenant dans cette seconde mi-temps. Ballon premier poteau, dégagé encore une fois. Quelle maîtrise de la défense du GS dans ce match. La mise en retrait de ce ballon, récupération de Oliveira qui va revenir en arrière. Bijar, ce coup franc, et c'est Lonneux qui va s'en charger. On est dans la dixième minute de cette seconde mi-temps. Ils n'en ont pas profité de ces balles arrêtées pour le moment. Ce ballon de Lonneux mis au premier poteau pour Bijar qui frappe de la tête et qui réclame une faute de son adversaire. Il n'en est rien. Hein. Finalement, ça sera un dégagement pour le portier Reviou, auteur de très belles parades, qui n'a pas eu à intervenir là sur cette frappe du défenseur Colésien. Boucha qui va encore une fois chercher peut-être Bijar. Ce ballon qui est mis au deuxième poteau. Le ballon qui est dévié. Et le sauvetage, il y avait une position de hors-jeu, dicte l'arbitre sur cette phase de jeu, la montée de Raphaël de Oliveira notamment, une action dangereuse encore une fois, mais sanction de l'arbitre qui va permettre aux joueurs de GS de se dégager. Notamment Florian Dupont là qui se fixe au premier poteau, les défenseurs qui sont montés également, ce ballon mis dans l'axe est dégagé par la défense. Oh, qu'une reprise en demi-volée. Superbe geste, extrêmement bien vu là, cette possibilité de but pour l'équipe du GS. Et finalement, eh bien, ce ballon qui passe par-dessus la transversale, le but défendu par Mehdi Derouazi qui va pouvoir se dégager. Le capitaine Arroyo qui est venu pour poser ce ballon, ce coup franc qui sera finalement joué en deux temps avec une remise sur Dia qui marque. Ah non, position de hors-jeu. Alors position de hors-jeu, mais alors superbe coup franc là
Et la défense colésienne qui a très très bien joué le coup. Finalement, cette frappe de Diak qui a bien failli marquer son deuxième but de la rencontre à un peu plus de l'heure de jeu. On en reste à 1-0. Kolev aussi toujours en course dans ce choc au sommet. Avec Msabek qui va pouvoir passer devant, mais c'est imprécis et ça permet aux Violets de repartir avec une possibilité peut-être de tir. Le décalage, c'est extrêmement bien joué le tir. L'intervention de Mehdi Derouazi et qui va capter ce ballon finalement sur ce tir de Hamza Kari. Très bonne possibilité encore une fois pour UGS et belle accélération surtout du numéro 9. On repart de l'autre côté avec Becha qui va décaler sur Ayeté, la montée d'Emsabek notamment. Ayeté qui va affronter le défenseur. Il ne passera pas le ballon dégagé. Ça sera un coup franc en faveur des joueurs locaux qui est venu monter là pour créer le surnom. Ça va repartir rapidement avec Martinez. Long ballon en avant, c'est bien joué là, de la part de Martinez avec le retour de Bijard qui peut dégager ce ballon de la tête et l'arbitre qui siffle un coup franc. Alors c'est discutable là, sur cette intervention de Bijard parce qu'à mon avis là, il a chopé le ballon de la tête. Et finalement, l'arbitre, lui, qui va donner un coup franc et sur quoi qui va avertir Bijard. Alors, coup franc en faveur des joueurs du GS, à mon avis, c'est discutable. Avec le ralenti, on sera peut-être une meilleure idée, ça va très vite. Et l'arbitre a peu de temps pour se décider. Nous, on en a peut-être un petit peu plus avec notamment le ralenti. Mais ça donne un coup franc extrêmement dangereux pour UGS. Ça sera peut-être Yvan Martinez ou alors le capitaine Arroyo. Ils sont présents tous les quatre proches du ballon. Ça sera Martinez à sa but. Oh, il est superbe le coup franc de Martinez qui offre deux longueurs d'avance à UGS dans cette rencontre au sommet. Quel superbe coup franc de Martinez. On peut discuter de la faute, mais alors on n'a aucun cas à discuter de ce coup de patte superbe d'Yvan Martinez qui donne deux buts d'avance à sa formation alors qu'on joue dans cette seconde mi-temps depuis bientôt 24 minutes. Profiter de ce coup franc pour réduire la marque dans ce match, dans cette 35e minute, les Colésiens, UGS est vigilant avec Canedo finalement. Et ce ballon qui passe largement à côté du but. Ce ballon finalement dégagé qui va arriver en défense du côté de Colebossi. Avec cette mise en retrait de Pereira, Dos Santos, la relance. Et de Derouazi, elle est approximative. Et les joueurs du GS en bénéfice de ce contre avec la récupération. Le centre et ses buts. Voilà réussite, la troisième signée Florian Dupont. Qui donne cette troisième réussite à son équipe sur une relance très approximative. De Mehdi Derouazi et finalement le centre de Rachani. C'est extrêmement bien vu là, de la part des joueurs du GS qui construisent cette troisième réussite. Le but sans doute qui va offrir la victoire au GS aujourd'hui. On voit mal les Colésiens marquer 3 en moins de 8 minutes maintenant. Ce coup de coin de la 39e minute. Ce ballon mis au deuxième poteau, déviation de la tête. Et finalement, ce cuir qui passe à côté, c'était une opportunité pour le défenseur. L'arrière latéral de Mestral, Vargas, qui était monté pour l'occasion. Le chat pour Colebossi, les Colésiens qui mériteraient une réduction de la marque dans ce match. Avec un ballon mis au deuxième poteau, c'est dégagé par la défense. La reprise! Ouais, ce ballon qui est repoussé, Canedo! Le contre, et il y avait une position de hors-jeu sur le tir. La reprise de volée signée Becha. Il va permettre aux joueurs du GS de repartir à moins de 3 minutes de la fin du match maintenant. Alors c'était déjà Becha sur le coup franc précédent avec une superbe reprise de volée au final et une bonne possibilité encore une fois de réduction de la marque dans les arrêts de jeu avec la frappe de Becha qui passe largement à côté de la cage. On peut presque dire du héros de ce match. Reviou, auteur de parade décisive alors que les Colésiens auraient pu ouvrir la marque ou alors égaliser dans cette partie. Il aura sorti Reviou le match qu'il fallait et pour le moment il fait un blanchissage. Sans doute la dernière relance pour le portier Mehdi Derouazi, l'arbitre qui a regardé son chronomètre, un ballon dégagé par la défense du GS qui va garder sa cage inviolée, victoire 3-0 du GS qui prend le large au niveau du classement. Ils avaient 3 points d'avance avant ce match, ils en ont désormais 6 sur Colebossi au terme d'un match solide. Et on pense notamment au portier Review qui aura sorti quelques paroles extrêmement importantes. Manque de réalisme des Colésiens, c'est ce qui aura fait la différence. Et puis de l'autre côté, eh bien ce très joli but de Diav en ce non moins superbe coup franc de Martinez pour finalement assister au troisième but marqué par Florian Dupont. Victoire 3-0 des joueurs du GS. On va tout de suite avoir quelques réactions, on l'espère bien évidemment également. Celle du portier, héros de ce match, le portier Stéphane Reviou. Ouais, c'est clair, c'est une grosse déception.
C'est Sévère aussi, maintenant, voilà, au final, Sévère, s'ils la mettent au fond, s'ils en mettent 3, nous on a aussi des possibilités. Malheureusement, on ne les a pas mises, donc voilà, c'est clair que c'est Sévère 3-0, mais bon, ils ont quand même mis 3 goals au fond, donc c'est ça qui compte au final. Hein. Oui, on sent que vous avez perdu le match ce soir en première mi-temps. La première mi-temps était excellente de votre part. Il y a eu ce but malheureux sur un contre, mais à part ça, il y a eu un bon gardien en face, mais vous aviez le jeu en main quand même. Oui, c'est vrai, on a fait une super première mi-temps, ça faut le dire. Maintenant, c'est toujours assez paradoxal de dire on a bien joué et puis on perdait 1-0, parce que souvent, on est les premiers à critiquer les gens qui disent ça. Et dans ce cas-là, oui, alors on a bien joué, mais eux ont été réalistes et nous pas. Pour diverses raisons, maladresse, de belles parades de leur gardien aussi, il faut le relever. Et au final, c'est eux qui le mettent, donc faut être concret si on veut gagner. Ce match, c'est un match parmi d'autres, on l'a perdu. C'est aussi en apprenant à perdre qu'on avance. Et là, non, il n'y a rien du tout qui est négligé, au contraire, je veux dire, on est toujours là, on a envie de faire le mieux possible. Et ça, si c'est un match qui doit nous abattre, c'est qu'on n'est pas fait pour jouer à ce niveau. Tout d'abord, c'était pas un match évident. On savait qu'on allait jouer contre une très bonne équipe de Collet, qui a beaucoup d'expérience, des joueurs qui ont joué plus haut. Après, on savait, déjà, c'est la même équipe que l'année passée. Ils sont costauds, ils jouent au ballon. On savait que nous, devant, on va très vite et ça n'a pas pardonné. On est sorti 2 fois, 2 contre-attaques, but. Oui, vous avez gagné le match en première mi-temps déjà, hein, parce que vous avez fait un arrêt superbe là, et puis quelques sorties magnifiques là. Et ça, c'est important pour un gardien de se montrer dans les 5 mètres. C'est très important. C'est très important, oui. Ça rassure l'équipe. Surtout que je vous avoue que ces derniers temps, j'étais pas serein dans ce domaine-là. Donc là, je me suis attaché à essayer de bien sortir et si je peux aider l'équipe, c'est tout bonus. Alors ce soir, vous avez remis les pendules à l'heure, donc vous êtes entraîné là sur ces balles aériennes. Et puis maintenant, donc UGS fait le trou. Quelle est l'ambition là, du FC UGS ? Avec 6 points d'avance, je pense pas qu'on puisse se cacher. Surtout qu'il reste 2 matchs dans ce premier tour. On aura déjà fait 50% de la saison, donc notre place, on la veut et puis on va essayer de la garder au maximum.